midi, Laurent Baffy et nos invités aujourd'hui, Richard Gottener et Michael Gregorio. Comment s'appelle l'émission cette semaine, Julie? Quoi? C'est le titre. Quand il n'ose pas le dire lui-même. Ah non. Quoi non? Mais comment non? On ne déchire pas une fiche, enfin. Non, on coupe des arbres pour ça. T'es malade. Dis le titre. Non, je ne dirai pas mais le titre. Mais c'est de la zoologie. Tu veux, genre, j'ai deux passages. L'émission, il faut l'assumer, s'appelle Ma vieille chatte perd ses poils. Ah non. Tu veux pas le dire? Non. J'appelle Daniel Gilbert. Écoute, Laurent, trouve autre chose, c'est sympa. J'appelle Daniel Gilbert. M'appelle-là. Daniel? Oui, bonjour Laurent. Bon, ben Daniel, Julie ne veut pas dire le titre. Hein. Donc, dans ces cas-là, salut. On appelle une grande animatrice. Ben oui, comment veux-tu que je dise des trucs pareils? Tu vas le dire, toi? Ouais. Bah écoute. Daniel, comment s'appelle l'émission cette semaine? L'émission cette semaine s'appelle Ma vieille chatte perd ses poils. Ma pauvre fille. Ça te fait du bien de dire ça à l'antenne, Daniel? Oui, mais moi, c'est vrai, j'ai un petit chat qui est très mignon. Ah oui, bien sûr, tu vas t'en sortir comme ça, peut-être. Oui. Mais je vois pas, il n'y avait aucune connotation sexuelle, je vois pas pourquoi... Mais attends, venons je ne sais même pas toi. Pourquoi vous parlez de ça. Mais Julie, tu as vraiment l'esprit tordu, c'est incroyable. Coincée. Très, très coincé. Très coincé. Et puis ça, c'est pas ton truc, hein, Laurent, pas le du l'esprit tout. Tordu. Ça va, Daniel? Très bien, oui. Quelle est ton actualité? Non, je déconne. Retour sur Europe 1, c'est ça ton actu? Tu étais ici, hein, à une époque. Oui, c'est vrai. En 32. Non, mais là, c'est pas très loin, mais c'est au Théâtre du Rond-Point. Au Théâtre du Rond-Point, dans la pièce de Raphaël Mesrahi, Monique est demandée caisse 12. Oui, à laquelle tu as collaboré en ce qui concerne l'écriture, Laurent. Absolument. Avec Amanda Sterf. Absolument, Daniel. On va te garder pendant 2 heures et on va te mettre sur une ligne annexe. D'accord, Daniel? Tu restes avec nous. À tout de suite. Marie, bonjour. Bonjour. On va faire un Mister Chatch avec toi, Marie. Tu nous proposes quoi? Je vais vous lire le code du travail. Eh oui, parce que nous, évidemment, on est le 1er mai. Alors vous, pour vous, c'est dimanche. D'accord. C'est dimanche, c'est déjà le 3 ou, bon, ou le 4? 1, 2, 3, 4. Bravo, les progrès, c'est incroyable. Hein. Bravo, Julie. Eh ben nous, c'est le 1er mai, donc on va dire le code du travail. Vas-y, Marie. Article D323-26, créé par décret numéro 73-1048 du 15 novembre 1973. Bon, moi, je vais être obligé d'y aller quand même. Hein. Salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire. Fabien, bonjour Fabien. Émission, oui, bonjour. Que vas-tu nous chanter, Fabien? Des chansons de Gottener. Formidable. Ouais. C'est parti, Fabien, pendant une heure. J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Un genre de moustique, un whistiti de cet acabit. Un genre de bête folle dans la nuit. Quatrième alinéa de l'article L.131 est composé. Ben. Oui, bonsoir, monsieur Laurent Baffy. Bonjour. Ça va, Ben? On dit bonjour car nous sommes dimanche bonjour matin. Bonjour à tous les invités. Voilà, bonjour. Ben est en 33 tours, hein, je dis pour les gens qui nous écoutent. Que fais-tu en ce dimanche matin, Ben? J'imagine que tu tournes un peu au ralenti. Total ralenti, total. J'entends, oui. Quelle est ta question? Alors ma question est que compte-t-il faire après nos deux invités? Voilà, ceux qui ont compris, je vous écrire. Europe 1, 26 bis, rue François 1er. Sûrement des gens, des égyptologues qui vont essayer de décrypter cette question. C'était quoi la question alors? Et voilà, que vont-ils faire après? Après l'émission? Oui, voilà. Article D341.2, créé par décret numéro 73-1048 du 15 novembre 1973. Quand Homo erectus est petit bonobo, d'après les... Ah, c'est le nouvel album, ça. Ah, ouais. Ils chantent déjà le nouvel album. Bravo, alors là, c'est... Bien, là. Ouais. Donc un album qui s'appelle Espèce de Bonobo avec tout l'esprit Gottener et puis une chanson incroyable, l'univers de la Belle des Champs. On connaissait sa vie publique, ouais. On ne connaissait pas sa vie privée. Ouais, et voilà. Tout à l'heure on aura un extrait, et bon. On va déjà écouter un extrait qui s'appelle Kékette Blues. Ouais. Zop, 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 zop. Blues, Kékette Blues, je suis Molly, je suis le bossu du Bénous, j'ai le goût. D'où te vient ton inspiration? Devine. Tu vas pisser, t'écris une chanson? Comment ça se passe dans ta tête? Quel est ton fonctionnement? Mais c'est un peu notre histoire à tous, c'est pas mon histoire. Moi, je me serais jamais permis de raconter mon histoire à moi, mais je raconte l'histoire des mecs, en fait.
Non. C'est vrai que les mecs sont animés parce qu'ils ont entre les jambes. Marchent un peu derrière. T'as une autre chanson aussi là-dessus. Il n'y a pas que Cacette Blues. L'écho, l'écho, je veux faire le nigo. Hello les fous, bonjour folie, salut. Je chante pas très bien Gotenner. Hein. Tu le fais beaucoup mieux que lui. Hein. Alors Mickaël, tu es un imitateur hors pair. Fais-nous Dalida. Tu es à l'aise. Je sais pas faire, Dalida. Déjà, on peut attaquer avec Jean-Jacques Goldman. Ouais, c'est parti. Non, attends, tu dis pas c'est parti, ça fait quoi? Ça fait trop. Non, ce sera tu coupé, le fais, ça tu dis, ouais, ça sera coupé. Ah, c'est lui le chef. Je supporte okay. pas qu'on dise c'est parti, bah, je le dis à tout le monde. Donc. Tu donnes le top. Bon, alors. D'accord. Hein? Personne c'est... dit c'est parti. C'est le monsieur là-bas. Je okay. te donne le top. C'est okay. parti. Non, il t'a pas dit top encore. Elle a dit c'est non, parti. Non, j'ai dit c'est parti. C'est parti. Ah, j'aime pas que les autres le disent, mais moi j'aime bien le dire. Ah, d'accord, ça marche. J'ai dit c'est parti, mais en fait. Ah non, tu dis pas c'est parti. Non, mais j'ai répété ce que t'as dit. Mais moi je pensais que c'était au top. C'est parti. Coupera l'intro au montage. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner. Il le fait pas très bien. Vivre des songes, être éveillé. J'ai beau me dire qu'il faut du temps. Je connais pas la voix. J'ai beau écrire au gouvernant qui l'on place quand il fait froid, mais rien ne se passe. Je pense à toi. Quoi que j'apprenne, ça me rappelle Goldman. Je ne sais pas. Hein? Et pas toi. Bravo. C'est impressionnant de voir le regard des gens qui sont sidérés par ton talent. Moi, ça me laisse de marbre. Hein. Bonjour, Babette. Bonjour, Laurent, je vous adore. Oh, tu as beaucoup de goût, Babette. Bon, on s'en va, nous. Hein. Tu as quel âge? 42 ans. Tu es trop vieille, au revoir, Babette. J'adore Julie. Ah, c'est gentil. Ah, tu vois bien que tu es trop vieille. Elle est géniale, j'adore son rire. Merci, Babette. Elle a, sa personnalité, elle est géniale. C'est vrai Merci. Qu'elle a vraiment un très beau rire. Ah, sa voix, son rire, tout, j'adore. Babette, oui. Ta question. Alors, c'est pour Mickaël Grégorio, que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Merci. Monsieur Gotenner aussi, mais ma question est pour Mickaël de Grégorio. Ça, c'est pas un concours, hein, pose ta question. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense de tous ses amis dans le showbiz qui prennent de la drogue et qui vont en pute. Alors, Mickaël. Qui s'expriment toujours en politique et qui n'y connaissent rien. Voilà. Bah, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Moi, c'est vrai que j'ai pas. Gros débat, là. Là, c'est du lourd. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop envie de parler de choses que je maîtrise pas. Donc, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, moi, c'est vrai que je parle pas de politique. Merci, Babette. On t'envoie deux places au théâtre. Toc, toc, je veux. Eh ben, je t'invite à aller voir Toc Toc. Je croyais qu'elle m'aimait bien, en fait. Non, elle veut juste aller voir Toc Toc. Mais j'aime bien Mickaël. Mais ils vont pas m'envoyer des places pour Mickaël Grégorio et Toc Toc. Peut-être que si, Babette, tu sais, ici, on est cons comme des valises, on distribue les places. Ce serait génial. On n'a aucun sens des valeurs, on arrose tout le monde. Ah, ce serait génial. Je te fais des gros bisous, Babette. Moi aussi, Laurent. Au revoir. Au revoir, Laurent. Alors, elle m'aime bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. On va essayer d'appeler une Geneviève. Hein, Geneviève, alors elle écoutait Europe 1, puis elle écoute plus à cause de moi, elle aime pas. C'est drôle, ça. Ah. Allô. Allô. Geneviève. Oui. Bonjour Geneviève. Bonjour monsieur. C'est le gros dégueulasse. Hein? Oh, c'est Bassi. Oh. Oh, le cri du cœur. Ah, bah c'est Laurent. Exactement. Ah, bah je l'ai dit, hein. Bah vous l'avez dit, Geneviève. Ah, bah, je l'ai dit, puis je le pensais, hein. Voilà, donc je ne pense plus parce que maintenant que vous m'appelez, alors ça va tout changer. Oh, c'est mignon, Geneviève. Mais alors, pourquoi vous disiez à l'époque que j'étais un gros dégueulasse? Parce que
qu'il y a des dames qui vous ont appelé. Oui. Non, vous les avez appelées, je ne sais pas, pour qu'on participe. Et vous leur avez dit des mots, des trucs, des mots que j'ai pas trop, que j'ai pas aimé. Par exemple. Une fois, vous avez parlé de Fillon. Moi ? Oui, parfaitement, j'ai parlé de Fillon. Geneviève, j'ai lancé un disque de Céline Dion. Bref, vous avez dit des mots qui s'adressaient à des dames. J'ai dit, on écoute Dion. Est-ce que vous avez entendu ça derrière ? Oui ou non ? Non. Bah, j'ai pas dit on écoute Fillon. Alors donnez-moi un autre exemple. Oulala, mais c'est que des mots vous en dites, hein. Par exemple. Oulala, bah alors dites donc, pour les récupérer à l'oreille, faut se lever tôt le matin, hein. c'est gratiné, hein. En tout cas, vous n'écoutez plus Europe 1. Ah, puis en plus, vous avez dit en plaisantant, ça m'a fait beaucoup de peine, vous avez dit à mademoiselle, la belle chanteuse brune, là, comment elle s'appelle ? Liane Folie, il lui a dit que dans le temps, elle faisait le tapin dans une ville de France. Et puis la pauvre pourrait. Mais c'était dans son livre, Geneviève. C'est dans son livre. Ben oui. Enfin, c'est pas possible. Bon, enfin, vous plaisantez ou quoi? Elle a sorti ses mémoires. Moi, Liane, 40, droguée, prostituée. Enfin, écoutez, c'est un livre qui s'est quand même vendu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a vendu son fion. Ah non, mais moi, j'ai pas aimé, et puis voilà, j'ai cessé de vous aimer alors qu'avant je vous aimais, et maintenant que vous m'avez rappelé, bon, bah ça va aller. Geneviève, je ne peux pas accepter l'idée que deux écarts de langage nous séparent. Geneviève. Oui. Je t'aime, Geneviève, reviens, je t'aime. Reviens, écoute Europe 1. J'avais bien fait de rappeler. Non, mais ça va mieux, ça va mieux. Mais Geneviève, tu m'aimes bien dans le fond. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. Dans le fion. Que je vous ai vu à l'émission. Je vous ai vu à l'émission de Reichmann il n'y a pas longtemps. Je vous ai trouvé. Oui, très... sur la Deuxième Guerre mondiale. Je vous ai trouvé très sympathique, très très sympathique pour la candidate, surtout même d'ailleurs. Oui, je lui ai fait gagner 25 000 euros. J'ai trouvé que vous étiez vraiment efficace pour Geneviève, elle. Geneviève, je suis un chic type ou un gros porc? Bah maintenant, vous êtes redevenu gentil. 10 secondes. Hein ? Gentil. Ça va. Voilà Geneviève. Bon. Comme quoi on peut récupérer des auditeurs avec lesquels on s'est fâché. Non, mais j'étais pas fâché. Mais déçu. J'étais choqué. J'étais... Chiffonné, t'es un peu chiffon. Ouais, tu n'aimais pas. J'étais chiffonné. Je me disais, ouais. Est-ce que c'est de l'humour ou est-ce que ça en est plus ? Eh bien Geneviève, on va te couvrir de cadeaux. On va t'envoyer le dernier album de Richard Gottener. Oh, c'est bien. On va t'envoyer deux places pour aller voir Toc Toc. Ah bon, c'est vous qui l'avez écrit, peut-être, ouais. Non, oui, c'est une ça. Super bonne pièce. Comme et ça, vous allez pouvoir vous voir à la fin du spectacle. Voilà. Vous faites tout ce que vous pouvez. Pour te reconquérir. Oui, reconquérir, mais c'est, ça y est, c'est fait. Hein. Oh, t'es mignonne, Geneviève. C'est gagné. Hein. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec nos invités aujourd'hui. Richard Gottener, Michael Gregorio et Christelle Cholet. Le titre, Laurent, c'est toi qui le dis ? Ah non, c'est toi qui le dis. Moi, je ne dis pas. Alors, on appelle Daniel Gilbert. Appelons Daniel Gilbert. Daniel. Le titre de l'émission ? Ben oui, faut que tu le redonnes. Est-ce que je vais m'en souvenir, hein ? Oui, ben regarde, jette un coup d'œil. Oui, sur mes fiches. Hein, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien, évidemment. Alors, c'est ma vieille chatte perd ses poils. Voilà, ben, on te rappellera. Bravo. Merci. Hein. Deux fois, à tout à l'heure. Hein. Daniel, oui, à tout ça. À l'heure. Odile. Oui. C'est à toi, Odile. Ça va être le grand moment de ta vie, Odile. Voilà, c'est deux minutes de gloire. Vas-y. Bon, alors, moi, je voudrais poser une question à Richard Gottener. Voilà, je voudrais savoir quand est-ce qu'il va refaire des musiques pour les pubs, parce que ça va relever un petit peu le niveau actuel qui est quand même tombé assez bas. Il y en a une, qui démarre en ce moment, là. Ah bon, laquelle ? On ne peut pas dire la marque, peut-être ? Oh, je sais pas si on peut dire la marque, c'est des pâtes, ouais, c'est des lustres crus. Ah, il fallait pas dire lustres crus. Bon, bah si. Dis-moi, Odile, toi qui es friande de la vie privée des stars, tu imaginais que la Belle des Champs, elle ait une vie comme ça un peu. J'ai entendu ça cette semaine. Hein. Non, mais écoute, ouais, écoute, j'ai été très, c'est. Très intéressée par la. Énorme. Ouais, effectivement, ouais. Écoute, Odile, c'est pour toi. Il fait nous voir sans aucun habillage. Le derrière et le devant, Belle des Champs, on veut te voir dépiauter l'emballage. Manger de toi tant et tant, Belle des Champs. Dis-tu nous en donnes, dis oh oui, de nous en. Donne, dis belle, Belle des Champs. Une belle petite allumeuse celle-là.
rêve de voir son pied dans les fours à pas, hein. La culotte entre les dents. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup quand tu disais tu baguenaudes dans les pâturages. Ce mot de baguenaudes. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit avoir appris ce mot avec, cette pub. Mais c'est une rigolo. Petite allumeuse. On l'a vu dans une partouze avec Justin Bridoux, Jacques Vabre et l'Amérique Corée. Alors, Justin Bridoux. C'est quoi cette rumeur alors, parce que les gens de la pub ont une vie privée. Non, c'est pas ça. Elle était vachement sage, en fait. Au départ. En fait, oui, alors, et le groupe de Le Cœur qui est autour d'elle et qui lui dit tu nous en donnes 10. Ça fait un moment qu'on s'impatiente et qu'on a envie d'en voir un peu plus. Quoi, d'en savoir un peu plus. Mais c'est un grand fantasme, Annabelle Deschamps. Hein. D'abord, la musique est formidable. Très efficace. Imparable. Ça, ouais. Et c'est un grand fantasme hexagonal, la belle Deschamps. Tout le monde a envie de la choper par les couettes et lui donner sa mère. Tout le monde. Et en plus, quand j'avais fait la pub à l'époque, moi j'y avais vu un petit truc un peu coquin. Et tu l'as pêché où, Aminova? Maria! Oui, bonjour petite équipe! Bonjour Maria! C'est génial l'émission, je rigole trop! Bon, bah écoute, faut rameuter du monde. Tu sais que l'émission va être supprimée? Quand? Bah, très vite. C'est pas vrai. Faute d'écoute, Maria. Recommence pas, tout le monde le croit. Moi, je croise des gens dans la rue qui me disent alors, c'est catastrophique, le dimanche, vous allez arrêter. Mais non, ça marche très bien le dimanche. Non, mais surtout, là où on va peut-être s'en sortir, c'est qu'on a une super bonne programmation. J'accueille monsieur Joe Cocker. Joe Cocker? Ouais. Qui est avec Charles Basset, c'est un chenil ce matin. Et Laurent? Oui. Tu sais que je vais me marier. Ah bon? Ah non, j'étais pas au courant de cette histoire. Contre qui? Avec mon compagnon. Ah, mais il y a combien de temps que vous êtes ensemble? 42 ans. Pas mal. Ah, 42 ans, et pourquoi vous décidez si vite? Allez, on vous laisse avec Joe Cocker. D'accord, merci. Bisous. You are so beautiful. Ah, il le fait mal. Trop bien. To me. L'amateurisme du mec. You are so beautiful. Merci Joe Cocker, malheureusement on n'a pas le temps de s'intéresser à votre carrière car on a des invités prestigieux, donc je vais vous demander de sortir. L'article L311-10 participe dans des conditions fixées par décret à la mise en œuvre des actions de reclassement du Fonds National de l'Emploi prévues aux articles L322-1 et suivants. Elles peuvent également bonjour, participer... Bonjour vos guignols, du papo chigo, tatami cacao, la tabac, la foutita, bouzoulou boubou, autoplori kiki, tcha tcha tcha, roudoudou. Ah non, il est en boucle là, sur la même chanson pour le moment là. Cul, bougie, nichongo. Oh là là, je l'ai coupé, attends. Xalam. 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 Allô, oui. Allô, Xalam. Oui. Tu as un prénom expérimental? C'est un acronyme. Un acronyme. Je me fie toi, je comprends le sens du mot acronyme. Ça veut dire quoi alors? X pour? Alors, X, chacune des lettres est composée de l'initiale du prénom d'une des personnes qui va donner ce surnom. Ah, d'accord. Alors, toujours Xavier? Toujours le bon jingle au bon moment. Pas toujours. Odile. Oui. Bonjour Odile. Bonjour. Tu aimes Piaf? Ben, je tu veux que je te croque Odile? Bravo. On écoute l'empiafé. Version gypsy. Cette terre qui m'observe jour et nuit, pourtant n'est pas née d'aujourd'hui. Et le vient dans si loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour c'est un bord en folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Fais le coup du souviens-toi. Padam, 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 cette année
tes amours, Richard. Rappelle-toi, puisque c'est ton tour, y a pas de raison que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs plein les bras, et moi je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour, je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur un air qui bat toujours. Padam, 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 les je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 les toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 les voitures on vole à par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Ah bon? Padam, padam, écoutez ce chahut qu'il me fait. Là, on reconnaît bien Goldman, là. Si tout le monde passait des filets, padam, 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 faut garder du chagrin pour après. J'en ai tout un solfège dans ce cœur qui bat comme un cœur de bois. Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu le jeudi 8 mai à 18h45. L'invité sera Salvatore Adamo. Si vous désirez lui poser une question ou assister à l'enregistrement, appelez le répondeur au 01 42 32 11 11. Laissez vos coordonnées, on vous rappellera. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec nos invités aujourd'hui. Christelle Chollet vient de nous quitter. Nous sommes avec Michael Gregorio et Richard Gotener. Alors, il me fait le coup très très souvent. Il quitte le studio comme ça, il faut que je me débrouille. Et comme je ne veux absolument pas dire moi-même le titre de l'émission aujourd'hui, eh bien, je vais appeler Daniel Gilbert. Allô, Daniel ? Allô ? Oui, Daniel. Est-ce que tu peux nous dire le titre de l'émission aujourd'hui, s'il te plaît ? Encore ? Mais tu ne sais pas, toi, depuis le temps. Mais c'est que je ne veux pas le dire, moi. Et tu sais, on a 4 coupures pub dans l'émission, et à chaque reprise, on redonne le titre. Donc, il faut que tu le donnes 4 fois, tu comprends ? Ben, je comprends, oui. Puis comme c'est un texte tellement poétique, je en privé quand même. Mais hein. Je compte sur toi, alors tu y vas, là ? Oui, ben là, j'y vais. Alors, le titre de l'émission aujourd'hui, Daniel Gilbert. Ma vieille chatte a perdu ses poils. C'est remarquable. Le mot est faible. À tout à l'heure pour la dernière ligne droite. Je te fais des bisous, tu diras une dernière fois tout à l'heure. Et après, on te laissera ta solitude. Oh, oui, mais ça va, alors tu vois, pour ma solitude. Salut Daniel, à tout à l'heure. Salut. Tout à l'heure, gros bisous. Joël, bonjour Joël. Bonjour. Tu as une question, Joël ? Oui, pour... Ah oui, ça me revient. Oui. On dirait Roselyne Bachelot, tu le refais ou pas ? Je le fais super bien, je maîtrise, moi. Oui. Bonjour Michael. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que le fait d'avoir été lancé par Laurent Ruquier, ça a été un tremplin pour votre carrière ? Alors, déjà, est-ce que le fait d'avoir été lancé a été un tremplin ? Ils n'ont pas lancé, en fait. Découvert. Découvert, en inox ou pas ? Essayons de... Alors, répondez. Bah, évidemment, oui. Bah, évidemment, Colin, j'ai envie de te dire. Non. Ça tombe sous le sens, quoi. Merci Joël pour la qualité de ta question. On t'envoie 2 places au théâtre. Nicole, bonjour Nicole. Bonjour Laurent, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ah, très très bien. Et voilà. Bon, c'est bien. Génial. Au revoir Nicole. Ta question. Alors ma question, Christelle est partie. Donc, Christelle qu'on peut voir au Palais des Glaces. Palais des Glaces, exact. À République. Mais c'est un super spectacle. Super spectacle. Et Michael Gregorio, j'en profite pour le signaler, bientôt en première partie de Céline Dion. Et bientôt papa ? Non, pas encore. T'as pas engrossé la québécoise. Ça sera où, Michael ? La première partie, en haut. Et la deuxième partie, en bas. Anvers, Bercy, Nice, Arras et Genève. C'est voilà. Quand ? C'est à partir du 13 mai, jusque juillet, en fait. C'est énorme de faire la première partie de Céline Dion. J'ai beaucoup de chance, ouais. Est-ce que t'as beaucoup le trac aussi ? Ouais, énormément. Gotenner, toi, tu vas faire la première partie de Daniel Guichard, tu vas en parler ? Moi, ça me plairait bien, ouais. Sophie, bonjour. Sophie ? Allô ? Oui, c'est à toi, Sophie. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très très bien. C'est ta question, Sophie, ou... Non, j'en ai une autre. D'accord. Pour Gotenner. Ouais. Pour savoir quels souvenirs il gardait de Coluche. J'ai des souvenirs d'un mec que j'allais voir très souvent. J'étais souvent chez lui le soir, 2-3 fois par semaine. Il m'a fait quand même un sacré coup de pouce en m'offrant la première partie de son spectacle au Café de la Gare.
Exact. Et j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs avec... Voilà, Sophie, beaucoup de souvenirs. Un peu comme nous avec toi dès qu'on aura raccroché. Au revoir. On t'envoie deux places de théâtre. C'est gentil, merci. Mais c'est pas vrai, tu t'es fait niquer. Alors... Bonjour Anne. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, je voulais savoir ce que... Ah, c'est Micklin en fait. Oui, tout à fait. Bataille de Micklin. Je voulais savoir ce que Richard Gotener prévoyait comme tournée cet été, parce que je suis allée sur son site qui est superbe, mais c'est un peu en manque d'informations là-dessus. Oui, il est un peu réactualisé. Pas du tout, il y a toutes les informations. Il y a encore la goutte au pépère. Sauf qu'il n'y en a pas pour l'instant de date. Quels sont tes loisirs, Anne? Quels sont mes loisirs? Oui. Eh bien, j'écoute la radio, je peins. Je fais de la généalogie. Pourquoi prends-tu ce ton exalté pour dire que tu peins? Parce que je fais de belles choses. Et tu fais de l'abstrait, du figuratif? Si je dis touche à tout, ça va être mal interprété, donc je vais dire que c'est plutôt figuratif. D'accord. Tu peux nous montrer une toile, s'il te plaît? Je suis dans le salon, il y a plein les murs, là. Alors tu peux mettre ton téléphone devant une toile? j'ai l'hésitation, je ne sais pas laquelle présenter. Alors, là. Vas-y. Mets sérieusement ton téléphone devant une toile et nous qui sommes Julie extra large mais moi médium, je vais deviner la toile. Vas-y. Ben, c'est fait, alors il n'y a plus qu'à regarder. Alors je vois du bleu. Bravo. Je vois du bleu. Ouais. Je vois du ciel. Pas mal. Et je vois. Non je mais le cadre est pas beau, hein. Faudra changer ce cadre. Ça va pas. Sympa, hein. Non, il va pas avec le tableau, je trouve. Oh si. Elle peut encadrer personne, Julie. Elle a son caractère. Voilà. C'est la petite à défendre, mais là, non. Je dirais rien sur elle. Et c'est comme la mer. Ça ressemble un peu à la mer. Mais en même temps... pas mal en plus. Ah, oui. Je suis médium à mi-temps. Alors, la mer, c'est quel côté? Parce qu'il faut trouver l'endroit quand même. Là. Alors, c'est le nord. Pas mal. C'est le nord. C'est pas la Méditerranée. Ouais. Et il y a un pêcheur à gauche avec la braguette ouverte. Mais qui retombe dans ses travers, tu sais. Il tient pas deux minutes. Je l'ai mis derrière l'arbre. Ouais, écoute, c'est pas mal quand même ce que j'ai deviné. Mais je trouve ça sympa, oui, tout à fait. Montre-nous une autre toile. Non, mais c'est vrai, c'était un tableau de mer avec un ciel bleu. Non, c'était un tableau, ciel marin avec une petite maison bretonne. Incroyable. Ouais, la Bretagne. Mal. Vraiment, il est patent, cet homme-là. Ce garçon est doué. Bravo, Laurent. Alors, je concentre moi-même. Oh là 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 là. Allez, c'est reparti, je suis dans un autre tableau là. Je vois rose. Pas du tout. Je vois du cacadois partout. Ah, ça, j'aime pas cette couleur, donc pas chez moi, non? Eh ben écoute. Eh ben, c'est statistique. Oh là là. C'est pas facile à dire. Hein. Statistiquement, c'est normal, hein. Ça marche pas à tous les coups. C'est beaucoup plus coloré le second là. Ah bah c'est perdu Julie, c'est pas vrai. Il est noir et blanc justement. J'ai fait du contraste. Hein. C'est tout faux. Bon allez, on va pas jouer à ça parce qu'on en a pour des heures. Anne, on t'envoie un original de Chagall. On en a rien à foutre nous. On adhérons sur cette radio. Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, je vais prendre des nems, pas peur. Et un canard. Non. Allô. Oui. Allô, Christophe. Oui, Christophe. Oui, j'avais une question pour Richard Gotener. D'accord. Tu as un accent qui est doux, j'ai du mal à te situer. Rien du tout. Alors, je suis à côté de Perpignan. Mais c'est vrai voilà. Mais il reconnaît bien les accents, hein. Oui. Saïgon, Perpignan, même. Il y a quoi? Il y a 20 bornes. Ah ouais, mais ça, vraiment, c'est... T'as une question? Alors, ma question. Je sais qu'il était fan de Colo. Quand il était jeune, hein. Oui, non, de coloscopie. Fan de Colo, ah oui, d'accord. C'était le premier titre de l'émission en septembre, ça, coloscopie. Et donc, elle était sa plus grosse bêtise en colonie. Ouh, il y en a eu d'autres. Ah, les colonies. Ouais, hein, c'était toute une époque. Bêtises. C'était des bêtises de colo. C'était des meurtres. Des grosses bêtises. Des viols. Genre des descentes chez les filles. Si, bataille de. Très jolie, bataille de papier crépon. La nuit, et au petit réveil, comme le papier crépon déteint, évidemment, quand on les trempait dans l'eau, on se les envoyait, c'était très marrant. Il y a aussi le passage, le passage au dentifrice, ou à la confiture, ou à la crème de marron. Formidable. Bon, c'est des bêtises d'enfance, tu veux. Christophe, encore un beau point de montage dans cette émission. Ah. J'avais une deuxième question. J'espère qu'elle est aussi forte que la première. Allez, elle est formidable. Est-ce qu'on pourrait me couvrir de cadeaux?
Alors, ah. Laurent, je serai à Lyon le 14 juillet. Attends, bah on va le noter alors. C'est important. À Lyon, tu seras le 14 juillet. Oui. On t'a dit ton feu d'artifice de Lyon. Non, pour Laurent. Ah. Oui. Tu vas pas passer. Ah, je pense pas à Lyon. Pour ton one-man show. C'est pas le 14 juillet en tout cas. Non, c'est le 14 juillet. Ah, je viens, mais c'est l'accent de Perpignan. On comprend pas bien avec les vapeurs, on n'a pas. D'accord, ben on t'invite, je t'invite à mon one man show à Lyon le 14 juin. Voilà. Merci. Je t'embrasse, Christophe, et je te dis à bientôt, en tout cas à Lyon le 14 juin. Au revoir. Allez, ça marche, au revoir. On va faire un anniversaire, c'est qui ? Benjamin. Mais il a quel âge, Benjamin ? Benjamin, ça doit être jeune. Allô ? Oui, allô ? Benjamin ? Oui ? Bon anniversaire ? Merci. Ça te fait plaisir qu'on t'ait appelé ? Oui, je suis pas sûr de savoir qui c'est, mais bon. Sans déconner. Ah non, je sais pas. Non, tu fais exprès ? Pardon ? Tu fais exprès, Benjamin ? Non, non. Bah, il y a toute la bande. Ouais ! C'est des belles gaillards. Ouais ! Ça va, ma petite couille ? Eh ben, ma couille, ouais, ça va pas mal, ouais. Bon, tu fais quoi ce soir ? Eh ben, rien du tout, bizarrement. J'ai mangé mes pâtes, et voilà. Eh oui. Une petite branlette, oui. Belle... Bel anniversaire, en tout cas. Hein. Eh ben, c'est très gentil. Je sais toujours pas qui c'est, mais bon. C'est Laurent Baffie au téléphone. Laurent Baffie ? Oula ! Quelle bonne surprise, ça, ma couche. Oula ! Et on est sur l'antenne d'Europe 1. Et je suis avec Richard Gottener, Michel Gregorio, Thierry Chesse, qui est en observateur, une journaliste du Parisien qui est pas fut-fut, mais elle est là quand même, et Julie. Ah, il y en a du monde, hein. Mais oui. Pas sur vous tous. Hein. Que des stars. Et d'à quel âge le Benjamin, là ? 16 ans. Eh oui. 16 ans. Alors, laisse-moi deviner, je vois des taches rouges sur ton visage. C'est petit. Et j'ai un cadeau pour toi. Ah. Attends, arrête de te caresser, 2 minutes. J'ai un cadeau pour toi. Red Charles est venu d'Outre-Tombe pour te chanter une chanson pour ton anniversaire, Benjamin. Tu aimes Red Charles ? Eh bien, ma foi, oui. Écoute, c'est pour toi. Yeah, every time I sing this song, I sing for my Georgia. Georgia, hear the whole day through, yeah, just an old sweet song keeps my Georgia on my mind. J'ai combien de doigts? Il voit rien. Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu le jeudi 8 mai à 18h45. L'invité sera Salvatore Adamo. Si vous désirez poser une question ou assister à l'enregistrement, il faut appeler le répondeur au 01 42 32 11 11. Laissez vos coordonnées, on vous rappellera. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec nos invités aujourd'hui, Michel Gregorio et Richard Gottener. Et le titre, je l'ai eu. Le titre, non, c'est pas moi aujourd'hui, je veux pas. Non, pas le titre, me demande pas ça. Daniel ? Ma vieille chatte perd ses poils. Daniel, il faut que tu viennes nous voir à l'émission. Avec plaisir. Quand tu veux, c'est toi qui dis. Bah, c'est toi qui dis, c'est toi le prom. La semaine prochaine. D'accord. D'accord, bah, je te fais des gros bisous, il y aura Adamo la semaine prochaine. Bien. Et ce sera une très belle émission. Raccroche-toi d'abord, ensemble. Merci en tout cas. À hein. 3, 1. Merci Daniel. 2... 3. Je vous fais des gros bisous. Au revoir, gros bisous. Au revoir. Bisous, au revoir. Au revoir. Bisous. Au revoir. Au revoir. Oh, j'ai cru qu'elle raccrocherait jamais. Et ben voilà, on a gagné, on l'aura la semaine prochaine. Très bien. On va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte ? 3 720 000 euros. Je triple cette somme. Et ben voilà, donc fois 3, 11 160 000. Ni allô ni bonjour. 12 millions d'euros, un petit peu moins. Un peu moins ? Oh, quel dommage ! Comment ça, oh, quel dommage ? Ben, bonjour.
Vous avez dit allô et c'est Laurent Baffy sur l'antenne d'Europe 1. On vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. Et vous avez dit allô. Quel est votre prénom? Ève. Ève. Ève, lève-toi. Non, on l'avait jamais fait celle-là. Ève. Il y avait combien Julie dans la cagnotte? C'est pas Julie Pietri, hein. C'est Julie. 11 160 000 euros. Pas trop déçu, Ève. Non, mais c'est une blague. Pas du tout. Vous êtes vraiment sur l'antenne de. Et vous êtes vraiment dans la. Je vous passe quelqu'un qui va vous consoler. Bonjour, c'est Michel Drucker. Ève, vous faites quoi dans la vie? Je suis à la recherche d'un emploi. Ah, oh, ça vous aurait dépanné cette soirée. Oh, Laurent, arrête ça. Et vous ne connaissiez pas le jeu, Ève? Eh ben non. Alors, je vous explique, c'est un ni allô, ni bonjour. Donc, quand le téléphone sonne, on ne dit... Oui, ceci dit, j'ai quand même dit oui au lieu avant de dire allô. Et non, vous avez dit allô, on mais est formel. C'était le premier mot qui comptait. Mais non, pas du tout. Maître Véreux, qui est huissier à Paris, peut vous certifier que vous avez dit allô. Maître Véreux. C'est notre huissier de justice. Ève. Oui. On va décider que vous n'avez pas tout perdu. Vous cherchez un emploi? Oui. Alors, la France vous écoute. Ève, passez une annonce. Eh ben... Vous habitez quelle région? Je suis à Besançon, donc... Ah, vous mettez pas toutes les chances de votre côté, Ève. Et je cherche un job d'assistante commerciale, idéalement. Tu as quel âge? 31. 31, tu es mariée? Pas encore. Mais tu vas te marier? Oui. Des enfants? Non. Donc, Ève, oui. Sur Besançon, tu cherches... Un boulot de... D'assistante commerciale, idéalement. On va essayer de te trouver un emploi. Si vous êtes employeur sur la région de Besançon, Ève est formidable, elle n'a pas de travail, elle vient de perdre 12 millions d'euros. Elle a vraiment besoin de travailler. Donc, appelez-nous. Ève, on fera suivre les demandes. Et en attendant, on va te faire plein de cadeaux. D'accord, ça marche. Gros bisous, Ève. Gros bisous. Salut. Au revoir. Au revoir. On va la rappeler tout à l'heure. Ah. Pour voir si elle a compris le principe. Aïe, 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 aïe. En attendant, c'est le moment magique du jeu de Julie. Ouais. Richard, tu connais bien sûr le jeu de Julie? Bien sûr. 11:50 du 23 décembre. Oh, tu vas pas le saboter avec les... Alors, c'est quoi, l'ordonnance numéro 2005. Je prépare un quiz sur l'invité. Ou inspiré par l'invité, hein, à chaque fois. Donc, pour toi, comme tu as démarré ta vie professionnelle dans une agence de pub, et tout le monde le sait, je vais faire un jeu sur les slogans de pub. Donc, je donne le slogan, à vous de trouver le produit. C'est un jeu de rapidité, à vous y aller vite, tout le monde joue. Et surtout vous deux, d'accord? Thierry, tu joues au Par exemple, si je vous dis buvez éliminé, vous me répondez Vittel. Vichy. Et ça, c'est du Gauthénaire. Le mec a un passé collabo. Pardon, hein. Ah oui. Elle est de Richard, hein, buvez éliminé. Quoi, qu'est-ce que vous avez dit? Je peux y aller ou pas? Ou pas. Allez. Fraîcheur de vie. Allez, watch and boom. Qui rend tout si propre que l'on peut se voir dedans? Monsieur la Pop. Sorcière oui. De... Non. Si je vous dis ici, là-bas, pour vous, pour demain. Gaz de France. Gaz de France. Oh non, ça c'est cool, franchement. Et c'est pas moi. C'est en régie, ils déclenchent ce qu'ils veulent. Hein, je continue. Qui mérite votre confiance? Indiana Jones. Un produit mérite votre confiance. Vedette. Vedette. Vedette ah, oui, mérite vrai. Votre confiance. Ah, c'est vrai ça, je sais pas le. Difficile. Si je vous dis, pour que l'automobile soit toujours un plaisir. C'est quelle marque d'auto ça? Citroën. Peugeot. Non, c'est pas. Peugeot. Bien joué. Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Peugeot? Non, c'est un gros con. Ah, et sa femme? Mais non, mais il y a une famille. Pute. Mais il y a une famille Peugeot en plus, arrête. Eh ben, avec ça, ils sont habillés pour l'hiver. Allez, question. Qui sont les nouveaux commerçants? Bonjour, c'est Michel Drucker. Rien à voir. Les supermarchés U, hein. On se lève tous pour. C'est du Gauthénaire aussi, hein, ça. Vous complétez. Les lavages durent plus longtemps avec. Gant. On le refait, c'est trop les beau. Les gens ne sont pas du tout accueillis à la pub. Hein. Non, non, c'est super beau. Les lavages durent plus longtemps avec Algon. Zop, 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 zop. Rien à voir. C'est joli, ça. Je suis Maudit. Je suis le boss du Bébous. J'ai le goût. J'ai le gorille. Mais je veux acheter Kékette Blue. Avec qui je positive? Carrefour. Avec Carrefour, je positive. Tout le monde joue, hein. Si je vous dis
Le futur, vous l'aimez comment? Près de chez vous. Le futur, allez, dure celle-là. C'est la plus difficile du questionnaire. Le futur, vous l'aimez comment? 30 secondes. Le futur, vous l'aimez comment? Comment c'est vous l'aimez? À point? Saignant? Orange. 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 Ah oui, orange. Je continue. Dans quoi il y a des fruits, il y a de l'eau? Dans Banga. Dans Banga, mais ça c'est du Gotenner, donc c'est facile. Si je vous dis un volcan s'éteint, un être s'éveille. Giscard d'Estaing. Volvic. Question. Un quoi et ça repart? Un coup de barre. Un Mars. Un Mars. Si je vous dis c'est gonflé. Veiné. Ouais. Pas d'erreur, c'est. Monsieur. Si je vous dis c'est fou. C'est tropico. Perrier. Perrier, c'est la paire, il y en a trois. Mais qu'est-ce que tu bois, doudou, dis donc? Oasis. Oasis. Et là, je termine avec un slogan publicitaire que l'on doit à Laurent Baffy. Ce jeu, j'en ai rêvé, Julie l'a fait. Ouais, ouais. Muriel, tu as trouvé le jeu de Julie formidable, bien sûr. Mais extraordinaire. Thierry, qu'as-tu pensé du jeu de Julie? Génial. Clément? Ah bah c'est parfait. Je vous... Oh, paye ton forfait, rappelle-nous, Clément. Muriel, ta question. Oui, j'aurais bien proposé une imitation de carpe pour que Michael me dise si je suis bonne, mais à la radio, on m'a dit que ça passait pas. En tout cas, bravo pour ta formule et ta déconne, hein, bravo. Hein. J'écoute beaucoup Baffy pour essayer. Oui, on sent l'influence là, c'est incroyable. Hein. Et j'aurais une belle question aussi pour Richard Gotenner. Laisse-nous juger. Est-ce que la gougoute à pépère aura une suite? D'abord, c'est pas la gougoute à pépère, c'est la goutte au pépère. Ah, la goutte au pépère. Enfin, une gougoute, c'est un ébar, et la goutte, c'est de l'agnole. C'est l'agnole. En fait, pour tout vous dire, j'ai trinqué en attendant. Voilà, c'est c'était pour ça. Un spectacle formidable, ouais. Réglé au diapason, que j'ai adoré, la goutte au pépère. Voilà, je te le dis, je te l'avais dit à l'époque, je te le redis aujourd'hui. Il n'y a plus d'enjeu. Il est en DVD? Il est en DVD. Il est en DVD. Donc oui, voilà, oui. Il est en DVD. Ouais. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de suite. Pour l'instant, il y aura une suite spectacle, mais plutôt traditionnel chanteur, tout ça, quoi. Voilà Julie, Muriel, quel que soit ton prénom, Carole, Dani. C'était Muriel. On t'embrasse Muriel, on t'envoie deux places de théâtre. Non, je vais appeler Carole parce que Carole m'a envoyé. Je ne peux pas aller au théâtre. Pourquoi? Parce que j'habite trop loin, je ne peux pas me libérer. On t'offre un appartement en plein centre de Paris. Ça va, On est comme ça, on est des fous, on t'embrasse. Ça va. On peut faire un pourquoi t'appelles pas? Hein, on va appeler. Tu veux le faire, le pourquoi t'appelles pas? C'est quoi ça? C'est des gens qui appellent pas, pourquoi ils appellent pas? Ah ouais, d'accord. Allô, c'est Daniel? Non. Je peux lui parler? C'est de la part de qui? C'est de la part de Richard Gotenner. Il est pas là? Ah non. Non. Vous êtes qui, vous? Ah ben écoutez, présentez-vous d'abord. Je vous ai dit, je suis Richard Gotenner. Et vous, vous êtes qui par rapport à Daniel? T'as un bon contact. Ah, j'ai une barre en acier là. Hein. T'as un bon contact, t'aurais pu faire partie de la milice en 40. Ouais. Hein, t'as un bon contact avec la. Non, mais c'est bien, les enfants sont briefés maintenant par les parents, on ne parle pas à des inconnus. Je trouve ça parfait, moi. Très bien, bonne réaction. Comment ça s'appelait? C'était un enfant ça? Bah, elle est jeune. Ah oui, elle était jeune. Non, elle était jeune. Ah ouais? Non, elle était jeune, non? C'est une petite fille. Thierry. Oui, j'aurais une question pour Richard Gotenner. Oui, oui. Ah, Richard. Oui. Alors, bon, est-ce qu'on peut dire que t'as un look de clown moderne? On peut le dire? Bah, même si on pouvait pas, trop tard, tu l'as dit. Vas-y. Bon, écoute, quand on regarde ta filmographie, moi, tu sais, j'avais un peu vu ce que tu avais tourné, La Divine Poursuite, L'Hygiène de l'Assassin, Rendez-vous au Toit de Sable et tout. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'aucun réalisateur n'ait pu te proposer un rôle à contresens, faire un rôle de salaud, un rôle d'assassin. Ah, j'adorerais. À la Dupontel, un peu, toi? Ah, moi, j'aimerais bien ça, même. Voilà. Et ben voilà, c'est ce que je voulais savoir, si tu aurais aimé, si tu te sentais capable de le faire. J'adorerais. Hein. Oh, mais je suis sûr que ça va se produire. Eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Un bon gros dégueulasse. Ouais, un gros dégueulasse. Bon salaud. Un gros méchant surtout. Ouais, méchant. Hein? Avec un mauvais fond et tout. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je pense qu'il y a plein de réalisateurs qui vont et qui vont te proposer. C'est gentil en tous les cas. Voilà. Voilà Thierry. Et puis, c'est bien déjà. Et puis je me disais qu'il faut que cette émission elle continue et qu'elle s'arrête jamais.
Ben voilà. Ça ne s'arrête jamais. Pour jamais. Ça, il faut fédérer des gens. Il faut que chaque auditeur arrive à réunir 10 auditeurs. C'est comme une chaîne de l'amitié. C'est comme une chaîne, tu vois, un peu mystique. Laurent, je te jure, moi je travaille dans un restaurant, on est assez nombreux, et je peux dire que je te fais une pub, j'en viens un peu chiant même. Comment il s'appelle ce restaurant? Non, je ne veux pas faire de publicité, parce que c'est un patron avec qui je m'entends pas trop bien. Donc juste le nom. Le nom du resto. Non, mais on va le faire chier, on va le pourrir. On va pas dire si on lui fait de la pub, il sera content. C'est quoi le resto? J'ai pas envie. Le j'ai pas envie, bah ça donne pas envie d'y aller le titre. Hein. Le j'ai voilà, pas envie. Laurent, tu continues très très fort. Et toi, tu t'arrêtes, on n'en peut plus. On t'embrasse. Au revoir. Ciao Thierry. Frédéric. Oui. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour Laurent. Bonjour Frédéric, bonjour Frédéric. Tu habites Baden-Baden et tu es avec Miu Miu. Tout à fait. Comme on m'a dit que vous étiez un peu dur d'oreille en ce moment, je répète deux fois les mêmes choses. On t'écoute. On t'écoute. Alors voilà, j'aurais une question à poser à Richard. Ouais. Alors je voulais lui demander, est-ce que le moustique primitif tout foufou se fait toujours la balade de l'obsédé? Est-il encore ami avec le Yukishipi? Et les trois vieux papis prennent-ils encore de la caféine après leur polochon blouse? Ah. C'est un joli pot pourri. Je sais pas ce que tu fumes, mais c'est fort. Paguenou de temps, les pâturages. Tu t'en vas te promener. Belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. Tu donnes-nous-en un peu. Belle des champs. Qui a gagné? Fabien. Complété éventuellement par un réentraînement à l'effort. Qui a été le plus fort? L'orientation, la Fabien. Oui, allô? Tu as gagné. J'ai gagné. Oui. Non, je déconne. Bah, toi aussi, t'as gagné. Afin de garantir Marie. Le respect du principe. Marie. Oui. Tu as gagné, bravo. Ah, oh, c'est pas vrai. Allez, bravo, génial. Si, c'est vrai. Oui. Merci. Elle est où, Marie, en fait? Je suis là. Coucou, Marie. Coucou. Vous n'êtes pas trop épuisée? Ah, écoute, c'est hypnotique, le code du travail. J'adore. Sachez que vous avez gagné tous les deux un cadre photo numérique Philips, deux places pour Toc Toc, un album de Richard Gottener, un album du chat, un CD d'Olivia Ruiz, un DVD d'Olivia Ruiz, un CD de Claude François, des compiles, des machins, j'en passe, et des meilleurs. Tout bravo! Ça. Oui, tout ouais, ça! Merci, et plus si affinité! Merci, bisous! Merci! Comment s'appelait la petite de tout à l'heure qui a perdu 12 millions d'euros? C'est Eve à Besançon. On va la rappeler pour voir si elle a compris le principe. Aïe, 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 aïe. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 11 160 000. Ni allô, ni bonjour. 12 millions d'euros. Il y a un suspense série dans le studio. On en est malade, là. Allô? Oh là là! Non, non. Mais c'est pas possible! C'est Laurent Baffi. Merde, merde, merde. Ni allô, ni bonjour. Tu me fais chier, Laurent. Je te dis même pas combien t'as perdu, c'est trop cruel. Ah non, tu me fais chier. Je viens avec une carabine et tu me donnes deux places pour Toc Toc. Ah non. Oh putain, comment j'ai les boules, mais comment j'ai les boules. Je pensais oui. pas que vous étiez encore en émission. Oh, ni allô, ni bonjour, putain. Ah, tu me tues. On est tous consternés. Ah oh, bah, et moi donc. Tu savais le blé que t'as pour mes... J'en offre 4. Hein? Je t'en offre 4. Non, j'ai pas d'amis. Bah t'aurais le temps de t'en faire, c'est pour dans un an. Hein? Oh, quel bordel! Ah, comme j'ai la honte! Ah, j'achète. Je crois que ça suffit comme ça. C'était Laurent Baffi.